Live! C'est plus un live, c'est une compétition. C'est les Jeux Olympiques en fait. On fait suite à l'événement de la semaine dernière. On a fait un ping-pong en Olympiade. Quel était l'ordre? C'est qui en 3? Fred, Lucas 3 points. Ben et Camille après. Ben un peu aigri. Hein. Moi je l'ai eu un peu par message le soir. Je fais une story où je fais des mac and cheese. Il m'envoie un message. Ça sent le mec aigri quand même. Je faisais des mac and cheese. Et il me dit hyper ponégré. Ça n'a rien à voir. Je me fais à manger. Je prends du plaisir. Tu sens l'aigreur. C'est à quoi la mac and cheese? J'ai mis du cheddar fondu. C'est pas typique du mec. T'as mis quoi au condiment? Du seum? Bon ouais d'accord. Est-ce que la hauteur est réglementaire là? C'est un peu très haut. Vous m'excusez, hein, j'ai une musique de jazz dans la tête. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi on l'a pas mis plus bas? Bah en fait c'est parce qu'on a une vis là dans le mur. Du coup tu t'es dit j'installe là. On va pas refaire un trou. Un peu parti, un peu naze. Du coup je vous explique un petit peu les règles, comment ça va se passer pour la compétition de ce soir, ça va Fred? On va faire en 301. Qu'est-ce que le 301? Le but c'est d'arriver à 301 points exactement sans dépasser. Ni pelu, ni pelu. C'est deux fois ici compte double. Donc si vous touchez ici c'est 2 fois 6, 12. C'est que de la chance en fait. Touchez ici, le triple. On a ensuite le centre qui vaut 50 points. 50. 25 dans la partie verte et 50 dans la partie rouge. La zone qui vaut le plus de points sur la cible, c'est quoi? Le centre, Pierre. Je pense que c'est... Attendez, parce que là, ça c'est un truc de prof. Laissez répondre celui qui a faux. Tu dis? Le centre, monsieur Croce. C'est pas ça. Mon petit chouchou au premier rang. C'est... Ici. Parce que c'est 3 fois 20 qui fait 60. 3 fois 20 qui fait 60. Vous avez compris? Avec la posture. Du coup, c'est pas du tout comme le bowling. Ça n'a aucun rapport du coup. À part les chaussures moches. Mais non, c'est les chaussures de ville. Ah, pardon. Le premier de nous qui arrive à 301 emporte les 6 points de l'épreuve. Ensuite 5 points, ensuite 4 points, ensuite 3 points, ensuite mac and cheese, ensuite 1 point. Mac and cheese. Si par exemple on est à 300 et là boum, on met 10 points, on est à 310. Tu reviens à 300. En fait, tu reviens au point que si t'étais à 250 et que tu mets tes 60 points, on part à 250. C'est Lucas qui commence. J'avais noté sur mon petit calepin. Donc attention, c'est parti pour les Olympiades, deuxième épreuve. Il va me foirer mon mur. J'avais même pas anticipé le fait qu'on rate la cible. Oh, il est beau celui-là. 3 fois 13. On prend les mêmes fléchettes, ouais. On prend les mêmes et on recommence. Il y a quand même une belle ambiance. Ça vous dérange pas si je m'avance un peu? Bah si, par rapport aux règles. Pas fair play. Premier degré. Mais non, mais... Mac and cheese, ouais. Très mac and cheese, les Benjos. Merci beaucoup. Oh, shit, man. Soit. Pas. 24 pour Fred. 24, c'est comme l'âge que j'avais quand j'avais 24 ans. Mais c'est dans le rouge ou le noir? C'est dans le noir. Aïe. Effectivement, c'est très bon. C'est très bon. Ça vaut des points, ça, ou... Oui. Oh, 3 fois 16. Oui. Plus 20, c'est monstrueux. Attention, messieurs, dames. Oh. Donc 4 x 16, 64. Pierre, un rappel des scores, c'est pas indiscret? 39 Lucas, 24 Fred, 68 Camille, 64 Ben. Ça fait des gros scores. Regardez le gaucher, il est trop nul. Bouh, ça le gaucher. Oh non, c'est pas ça. C'est pas si mal. 66 Guillaume. Et bah alors, il se prend pour qui lui? Pierre, là c'est détente. Fais des vannes pendant que tu lances. Ah, ça c'est nul. Mais tranquille, on s'en fout. Ouais, c'est tranquille, ça, c'est tranquille. Que des chiffres. 34, c'est ouais. Terrible, ouais. C'est pas terrible. Moi, c'est mac and cheese ce soir en vrai. Oui. Oui. Ça c'est pas mal. 3 fois 11. 36. Soit. Ah. Je commence à avoir peur même ici moi. 8 en tout là. Ah ouais, j'ai pas fait beaucoup. Voilà, on a pas d'excuses, on peut pas dire ouais c'est pas mal et tout, c'est éclaté quoi. Ah c'est nul. C'est au sol. Ah c'est nul, mais nul. C'est pas ton sport, c'est pas ton non. Sport. C'est ta Camille, actuellement leaderuse du championnat. Ça mord là, ça mordit là. Oh la team premier degré là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas mal ça. 99 hein, pour la jeune LV. Hein. Je crois qu'il va faire une frappe enroulée. Ah mais c'est 5. Oh yes, le mur. Je calcule et je vise. Là tu vises quoi par exemple? Vas-y. Faut pas aller le 18. Sur le mur, t'étais quand même plus proche du 18. Par contre, ça mord, mais comme un porc. Oh oui, mais attends. Ouais, Fred, voilà. Ça c'est un. 18. Attention, là. Non, pas forcément. Ouais. Tu veux qu'on les compte ou pas les points? C'est une plaisanterie. T'as vu comment il est, Ben? Il veut qu'on compte les points. J'ai envie de manger autre chose que des pâtes, moi, le soir. Hein. Attends, mais Guillaume, 131, c'est énorme, déjà. Si Guillaume, il gagne les fléchettes, plus la victoire au ping-pong. Comment ça va être costaud, Guillaume, hein? Sur les Olympiades de bar. Oh là là, il va faire tout. Waouh. Comme ça. On le sait que c'est les débuts, il va être comme ça. En approchant des 300, le mental va craquer. 173. Jusqu'à 200, il va être le plus fort du monde. Mais même jusqu'à 300. C'est sur le 1 qu'il n'y arrivera jamais. Et il va buter. Et il va buter parce qu'il n'aime pas la victoire. Moi, j'ai une vraie question, les gars. Est-ce que Pierre, il est fort au basket? En fait, on sait pas trop. Déjà, il aime ça, hein. Moi, j'aime la tarte aux fruits, je sais pas faire la tarte aux fruits. Hein. Combien d'années de basket? En club, 5. Comme quoi, ça veut rien dire. Ça. Oh, là, par exemple. Ça. Ça. Waouh. Ça va, là, je suis un peu moins mauvais. 94. Oh non, elle est cassée. C'est bon ça. Oh, c'était très fort. 146. Oh, c'est encore un petit peu en dessous de Camille. Guillaume, combien de litres de bière bu ce week-end? Eh ben, on les a là. 173. 9 alors que c'est un tir à chier.
5 alors que c'est un tir pas mal. Et j'ai 2 parce que je suis une merde. Tu lances comme au basket. Il joue comme au basket du coup. Hein. Attends, juste on décale un peu, hein, ça te dérange pas. Attends, mais en fait là je suis plus... On décale un peu, hein, c'est vraiment pour tirer. Hein. Oh, il est costaud. 37 aussi, comme Camille. 226. On a égalité. Ça veut pas dire que je suis amoureux de toi. Guillaume et Camille. La ZZ dans la quéquette. C'est pas l'inverse. Ah bon? Qu'est-ce que je fous depuis des années? Mais qu'est-ce que je fabrique? Voilà, Pierre, va la chercher la victoire. Bah non. Naze, c'est naze. Oh, en plus j'ai foiré une fléchette. Foiré ma vie. Allez, Lucas, t'es un bon gars. Oh, j'ai cru. 32. Est-ce que Lucas, ça serait pas la surprise de ce live là? Non, je pense pas. Et moi, je vous invite plus chez moi si vous faites des trous partout. Hein. C'est ce qu'elles disent tout. Ah. Bien sûr. Tiens. 18. Oh, 49 plus 4. 196. Est-ce qu'il peut y avoir des retournements de situation? La fin est hyper dure. Oh, attends. Il était les mêmes. Oh, il est pas McKenzie ce soir. Oh là là! 78 là? On a virtuellement un leader pour l'instant. Je suis virtuel! Je déconne. Ça va, je rigole. C'est pas. C'est, bah, ça va, no offense. Oh, t'as rien dit, t'as enchaîné tout de suite sur la. Tout le monde sait que je fais des vannes? Oui. Ouais. On a rien dit en fait. Eh bah, je m'excuse. Ça va, j'arrête les blagues. Très neutre. Non, mais ah, ouais, mais vous cassez l'ambiance. Je fais une petite vanne, j'ai dérangé personne, vous cassez l'ambiance. Oh! Il reprend la tête du classement. Oh là, il veut pas cesser faire. Mais il fait quoi là avec son mental? Mais c'est quoi ça, ce mental là? Incroyable ce score. 292 pour Guillaume. Oh, là. Guillaume, il rentre dans la zone des points là. Là, il doit faire 9 maintenant. Danse en fin de live pour le perdant. Et pourquoi tu dis ce commentaire? Parce que tu sais que t'es à peu près sûr de gagner. 10 points pour Lucas. Et ça sent la danse. La Lucas dance. Lucas, tu danses pas comme ça, Lucas? N'importe quelle musique, tu lui mets un slow, il est comme ça. Sors. Pourquoi sort? Ça veut dire quoi? Ah, tout le tu marche mieux. On est pas sur 38? Non, Ben, tranquille. Oh, bien. Oh. 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 26 en tout. Il te manque 36 points. Il y a personne des favoris là. Oh, le mental. Oh, ça y est. Il est fissuré. J'estime que si je finis pas dernier, c'est déjà. Il est fissuré. Dis-toi que le 9, c'est un des plus faciles. Pas du tout, c'est tout le même. Le 9 là. Oh. Début. Guillaume, 8, 8. Attends, 8. Oh, le 1, il est tellement facile. Le 1, c'est le plus simple. Mais il est en haut à droite. Aïe, c'est dommage. Tu restes à 282. Il y a une question de Génogenque. Fred, t'es beau ou moche? Moi, je t'ai rencontré il y a 10 ans et t'es beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Moi, je t'ai rencontré il y a... Ouais. Attends, donc là, il est à combien là? Dans un mois, c'est vraiment... Attends. Oula, il a planté dans le, dans le parquet là. C'est un autre niveau encore. 6 points. Guillaume qui doit viser 9. Oh, pas loin. Mental est mort. Voilà. C'est... Oh, mais c'est Guillaume, vous voulez quoi? Je passe... Oh, 42. Pierre, j'ai une question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire, sachant que t'as déjà un peu tout ce que tu veux? Non, j'ai pas tout ce que je veux. J'ai pas l'amour de mes proches. Bah c'est pas avec nous que tu l'auras en tout cas, non, ça c'est sûr. Hein. On peut t'offrir un scooter, on peut t'offrir des trucs. Hein. Un ballon de basket tout neuf. Tu veux quoi? Un appart? Je sais pas. Pierre, tu peux me dire mon score s'il te plaît? 262, il te manque donc 39 points. Là, il t'en manque plus que 20, c'est tout? Oh, pas loin! Par contre, il te reste 5 points maintenant. T'es à 296. Camille, il te manquera 26 points, soit 2 fois 13. Je t'en prie. Il te manque donc 15 points en direct. Oh. Ah, elle est passée. Du coup, là, c'est mort, je lance même pas la dernière. Surtout que tu joues avec une fléchette, ça aurait plus chaud. Est-ce que vous vous rappelez, les gars, c'était pendant le confinement, on a fait un yatsé en ligne. Et Pierre, sur le dernier lancer, il fait un truc, mais improbable. Il se coupe les cheveux. On était là, mais pam, des ouf! Il me fallait 46, là j'ai 20. 2 fois 13. 2 fois 13. J'ai l'impression que c'est... Oh, il fait 3 fois 13, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, on est un peu content quand même. Un petit peu dégoûté au premier degré là. 3 fois 7 ou 20 plus 1. Bravo Lucas. On n'a pas envie que Lucas gagne en vrai. On n'a pas envie. Les murs, ça marche aussi. Ouais. Oh, t'es pas loin du 3 fois 7. Non. Maintenant, il en manque 22 pour Camille. 2 fois 11. 2 fois 11, tu peux l'avoir là, Camille. Allez. Oh, elle le fait une fois. Il te manque 11. Ah ben, c'est 30. Et un lancer à la japonaise, du coup. Attention, vous permettez, j'arrive à Kyoto. 15. Et je refais le même tir. Et là, tu refais la même et là, tu gagnes. C'est bien par ici, le mon Fiji. Oh, dommage, le 1. Faites en ce point-là. Fuck me, man. I'm going to show you down, man. Oh. Il dépasse. Et on arrive sur le mental fissuré. Celui qu'on appelle... Oh non! C'est le mental ça. Il ne veut pas gagner. Non mais t'as pas envie Guillaume. Mais dis-le Guillaume si tu veux pas le jouer. Donc si c'est comme ça, tu t'en vas. Et le problème c'est que je m'en branle quoi. Non, tu t'en branles pas. Vous faites le classement des gens qui s'en branlent le plus dans la pièce. Camille en 1. Ah Camille c'est un poutre. Est-ce que vous voulez que je vous montre la différence entre Guillaume et moi? Entre un mec qui a pas envie et un mec qui a envie d'aller chercher. Il faut combien? 5 points. Ça fait déjà 2 tours qu'il faut 5 points. D'être ça chacun.
Oh, c'est fini. Mais ça va être très long, hein. Et bah toujours le 9, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les gars, je suis dans le futur, il le fait là. Attends, on peut s'en servir pour d'autres trucs beaucoup plus, beaucoup mieux. Non, la fléchette, c'est important quand même. Tu vois? Attends, c'est pas dit. Non! C'est 4. Oh, je suis défait. Non, mais t'as pas envie en fait, Guillaume. Ah, en fait, c'est presque de l'anti-jeu. 34 pierres. On a un Guillaume Erta, je sais pas d'où ça vient. 27 pierres. 3 fois 9. Ah, mais c'est fou quand même, je révise mes tables de multiplication. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va le faire. Oh, il y a un œil premier degré, Lucas. 3 fois 7. Il est plus qu'à 10. Il voit pas. Oh! Il gagne! Oh non! Est-ce que c'est une escroquerie ou pas? Ah, je suis désolé. Je suis loin d'être deuxième encore. Il a gagné, Lucas, victoire 6 points. T'es un escroc, Lucas. Je prends tes flèches parce qu'elles vont me porter chance. D'accord, elles sont trop bien celles-là. Regarde, il y a un bout de sang ici. Mais est-ce que c'est pas au tour? Ah, si là il y a quelqu'un qui égalise, c'est vrai que Lucas il a commencé. Il a un tir de plus. Oh, mais ouais. Je m'en fous, mais j'aimerais bien avoir une dernière chance. Hyper peur. Attention, ouais, attention. En fait, je vise très haut. On a vu, on a vu. Je suis toujours à 11, moi. Point. Je suis dévasté. C'est le mental, ouais. C'est les mentales. Il est sur la bonne trajectoire, les gars. Mais pas la bonne cible. Ah oh, putain, oh. C'est pas possible. Vous voulez quoi? Une baguette magique? On va pas faire un étalon d'un bourriquet. Et je dis, je prends pas perso. Bah, c'est ne le prends pas agressivement. Du coup, c'est... Mais c'est incroyable. Je devais faire 13. Évidemment, tu vas pas faire. Victoire de Lucas confirmée. Merci à ceux qui ont cru en moi dans le chat. Et du coup, comment on calcule les secondes? Ah, on continue. On va dormir ici. Quelqu'un a un matelas? En vrai, Lucas, si tu veux y aller, tu peux. Oh non, quand même. Qu'est-ce qu'il fait Lucas lundi soir d'octobre? La question est presque méchante. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait Lucas en octobre? Hein? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va sortir, j'imagine. Il y a des potes. Je suis pas loin du 5 là. C'est fait. C'est... 301, mais attention, pareil, hein, s'il y a des qualifiés au même tour. Vite faire 9, hein. De plus en plus proche de mes yeux. T'es proche de moi, là. Soit deuxième, soit troisième. Mais non, mais Camille, mon mur. Non, mais Camille. J'ai envie de les laisser. Il manquait 20. C'est passé pour Ben aussi. C'est passé pour Ben Jones. Il va y avoir une finale entre vous deux, déjà. Je vais l'enlever, quand même. Oh, c'est les vieux démons, là, qui reviennent. Eh, c'est exactement ce qu'il me faut, 13. Pour déterminer quoi? Ben Jones. Ah, il le met direct! Finale avec vous! Attendez, Guillaume, il est soit dernier, soit avant-dernier. Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est le mental. Est-ce qu'il avait envie? Qu'est-ce qu'il nous fait, Guillaume, lundi soir? Ça avait l'air la biographie de Chopin en se mordant les lèvres. Je suis des Mackenzie là pour le coup. On a égalité, Pierre, Ben et moi. Là maintenant, c'est entre nous trois, le plus grand total de trois fléchettes. 39. Allez, Verica. Un 3 x 20, ça fait 6. 31. Ah, t'as raison en plus. C'est le premier degré, ça, le petit. Non, non, c'est vraiment ça, tu plaisantes. Transpire. Non! Oh, il se passe quoi là? Non! Il fait quoi, soir d'octobre, Pierre Cross? Là, c'est entre Guillaume et moi. On fait la même chose? On va achever Guillaume. Oh! Ça, c'est pas. J'ai jamais réussi à faire 9, hein, donc ça, c'est dur. Hein. Guillaume. Je le connais, le Guigui, je sais qu'il est pas bien. Il faisait un match contre lui-même depuis le début. Et puis, bah, la réalité rattrape, hein. Qui est premier, du coup, les gars? Je sais pas si je trop suis. C'est toi, Lucas. Toi, Lucas. Ah bon? Oh, attends. Sur la soirée, Camille finit dernière. Guillaume, avant-dernier à la contre-performance. Est-ce qu'on peut avoir quand même une réaction? Il faut que j'aille vite à un concert, là. À le Requiem de Mozart à la Philharmonie de Paris. Qui finisse sur une musique de funérailles. C'est bien. C'est bien. Ensuite, on a Pierre. C'est moi, ça. Avec 3 points. Podium. Ben, donc, 4 points. Fred, deuxième place avec 5 points. Et Lucas, la grosse révélation au tout dernier moment. Merci à tous. Classement général. Camille, qui est première. On part de la fin. Ensuite, c'est Ben avec 6 points. Et ensuite, on a des égalités entre Pierre et Guillaume avec 8 points. Et Fred et Lucas avec 9 points. Et bah, super! Alors, c'est quoi le prochain là? Alors, tout le monde a envie de savoir. On est comme des dingos. Regarde-nous, Pierre. On est en train de bouillir. Alors, on est comme des fous. Prochain, on répare les trous du mur. S'il y a possibilité dans le jardin, on fait pénalty la semaine prochaine. Camille, danse de la perdante. On avait dit danse de la perdante. Allez. Je fais la danse de Lucas. Mais ça, c'est une danse Fortnite. Ah, c'est une danse Fortnite? Bah, je fais la même, mais en haut. Salut tout le monde! Merci à tous! Live boss! On était en live, live boss.